Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais très très bien. Donc allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer, ok? Alors, moi je pense qu'il faut bien blanchir. Et je trouve ici c'est trop court, vous voyez? Donc là, on est sur toi et un homme où... Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de coupures. Si c'est pas encore arrivé, ben, attends-toi que ça va arriver. Mais c'est ce truc où, au bout de la route, il y a un bonheur qui est assuré pour toi en tant que femme. Et qu'il va vraiment que falloir, en fait, parce que ça arrive. Mais... peut-être que tu vas pas t'y attendre et que ça va peut-être te surprendre au moment où ça va arriver, tu vois. Et que, bon, tu vas pas t'y attendre et que forcément, selon par exemple ce que cette personne, parce que j'ai l'impression que c'est du sérieux et du béton, tu vas te demander si c'est vrai. Tu vas te demander si si on te prend pas pour ben, une imbécile, tu vois, si c'est réel ou pas, tu vois, et que je pense que tu vas hésiter en fait. Moi j'ai l'impression que tu vas hésiter, mais bon, moi voilà, donc. Je pense que c'est sincère, tu vois. Cette fois, c'est vrai. Cette fois, c'est vrai. D'ailleurs, à mon avis, tu vas en parler à des tas de personnes autour de toi. Mais il y a des gens aussi qui vont l'apprendre, mais pas par toi. Donc, ça peut être bah, la personne de ton cœur bon, bah, qui va le dire, tu vois, à d'autres personnes bah, que cette fois, bah, ils se lancent. Qui se lance, mais c'est vrai que bon, vous allez avoir peur tous les deux. Au niveau, si par exemple, je pense que il faudra vous écouter que tous les deux et pas écouter les gens autour, hein, parce que en général, ils font peur. Hein. Donc, moi, c'est l'homme, il risque d'avoir peur et pas écouter les gens autour. Et je pense que dans une relation sentimentale, un homme et une femme doivent se fier qu'à soi-même. Voilà. Qu'à soi-même et pas écouter les autres. Parce que les autres... Ben,